Aujourd'hui, c'est une manif organisée par le collectif Sans Papiers Belgique. Suite à l'échec de la campagne de régularisation en 2009, un groupe de sans-papiers a décidé de se mobiliser pour essayer de remettre cette question dans l'ordre du jour. En 2009, il y avait un accord politique suite à des années de lutte du mouvement de sans-papiers. Un accord qui a défini certains critères pour permettre aux gens privés de carte de séjour de enfin pouvoir déposer des demandes de régularisation. Déjà, à l'apparition des critères, on s'est rendu compte que ça ne va pas être une chose facile. Et malgré tout ça, quelques milliers de sans-papiers ont quand même pu déposer des demandes. Bientôt, 2 ans après, on se rend compte que c'était vraiment une blague avec un goût amer. Il y avait des critères qui étaient vraiment absurdes, difficiles. Et en plus de ça, il n'y a aucune garantie de la part des responsables. L'attente est vraiment longue. Ces gens-là sont ici en Belgique depuis plusieurs années et continuent toujours à souffrir dans un silence, dans l'ombre, et la société tourne toujours le dos. Merci de se rassembler pour former la marche, et comme ça on part tous ensemble. Il faut se mettre un petit peu sur le trottoir. Allez, merci à vous. On ne prétend que l'immigration est la cause du chômage et de la crise du logement, des emplois et de la place. Nos ancêtres, africains, ont participé à la libération de l'Europe. Pourquoi on ne nous respecte pas? On n'a pas besoin de visa, on n'a pas besoin de régularisation. On doit être citoyen d'office. Nous ne sommes pas des facteurs mathématiques pour des courbes statistiques. Nous sommes des citoyens du monde. Encore une fois, attendre. Attendre, c'est la seule réponse donnée. En attendant, et plus le temps passe, plus on se rend compte que l'espoir laisse sa place à l'inquiétude. Nous avons essayé dans notre mieux de rassembler d'autres sans-papiers, ceux qui sont comme nous en train de galérer, mais en silence. J'ai besoin des papiers, j'ai besoin des papiers. Je voudrais que tu sens mon message, non seulement que tu m'écoutes. La vie d'un sans-papier est comme un scout. Aujourd'hui ici et demain il ne sait pas où le mène la route. Sans valeur il nage dans le malheur. Il combat le faim, le froid et la chaleur. Plus le regard des autres qui augmente la douleur. Il cherche une porte pour qu'il lui ouvre le bonheur. Afin de vivre son humanité qui est pris par un voleur. Un camaïeul voleur qui a plusieurs couleurs. L'injustice, l'inégalité, point, point. En général, les gestes qui ne respectent pas l'honneur. Nous sommes tous les enfants d'immigrés, anglais, Michel, les